Payot. Et la Fondation Payot pour la promotion de la lecture vous présente Marque Page. Bonjour et bienvenue dans Marque Page. Aujourd'hui, nous vous proposons Mémoire de la forêt de Michaël Brun-Arnaud aux éditions L'École des loisirs. Une proposition faite par Lisa Desfées de Payot Libraire, ici à Lausanne. Donc, dans les Mémoires de la forêt, on va suivre Archibald Renard, qui est libraire. Il s'occupe de la librairie depuis des années. Et cette librairie a la particularité, en fait, d'avoir des ouvrages uniques, parce que c'est les animaux de la forêt qui écrivent un livre et qui proposent leur ouvrage à ce libraire. Et donc, c'est un seul exemplaire. Et puis, un jour, il va voir arriver Ferdinand Taupe dans sa librairie. Et Ferdinand Taupe est complètement perdu, parce qu'il est atteint de la maladie de l'oubli-tout, qui en fait peut se substituer à l'Alzheimer chez nous. Et puis, donc il va vouloir l'aider à retrouver sa mémoire et son livre, parce qu'il avait déposé un livre chez lui, mais manque de peau, un client est venu le prendre juste avant. Et donc du coup, ils vont partir dans cette quête pour trouver les souvenirs et les mémoires de Ferdinand Taupe. Et c'est super bien écrit parce que le jeune homme qui a écrit cet ouvrage a travaillé dans les soins avec des personnes atteintes de cette maladie. Et donc c'est vraiment bien documenté, on ressent vraiment comment il faut agir avec ces personnes atteintes de cette maladie. Et c'est très touchant, très poétique et c'est vraiment un très bel ouvrage. À quel public ça s'adresse? Est-ce que c'est plus jeune ou moins jeune? Alors je dirais les plus jeunes, entre 9-10 ans. Mais après, on peut le lire à tout âge tellement c'est beau et poétique et touchant. Et je pense que ça peut toucher beaucoup de personnes également. Merci beaucoup, Lisa. Merci. Vous avez eu l'infinie bonté d'abandonner votre commerce pour aider l'un de vos clients dans le besoin. C'est un acte de générosité dont j'en suis sûre, même perdu dans les méandres de sa maladie, il se rappellera toujours. C'était « Mémoire de la forêt » de Michaël Brun-Arnaud pour Marque Page. Quant à nous, nous nous retrouvons bientôt pour une nouvelle histoire et un nouveau chapitre. Payot et la Fondation Payot pour la promotion de la lecture vous ont présenté Marque Page.